devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un mode debout contre le même sacré que le Coliseum précédent. Et là cette fois-ci on est un peu mieux niveau composition, on est contre Maoria, donc le roublard, contre un sacré et contre un Eniripsa, et nous on est un Yop et un Sacrieur. Donc en fait la même compo avec des personnes différentes que le colis précédent. Alors ce que je vais faire, je vais invoquer mon bébé Doppel qui est ici, voilà. Il est très bien ici. Peut-être faire une perception pour booster. Ah, pourquoi tu bugs? Voilà, pour booster tout le monde. Hop. On va se faire une roulette. Et on va pas invoquer le chaton vu qu'il y a un sacrieur. On va plutôt se booster. Coup critique. On va donner un PM au Yop. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste pour pas ne pas être inutile. Et là, alors là, c'est roulette coup critique. Avec le Doppel et Kaflip, et je ne sais pas pourquoi il a pas fait de bluff ce connard. Il avait la ligne de vue, donc là Maoria qui pose ses bombes. Maoria donc qui a un très très gros roublard que vous connaissez déjà parce que vous l'avez déjà vu dans le dernier colis de mon stuff feu. Et là il va plutôt faire mal si on tombe dans ces murs de bombes. Et là voilà, déjà une espingole à moins 445 et moins 348. On a plutôt intérêt de rusher parce que sinon ça risque de plutôt faire mal. Alors là par contre on a de la chance, c'est qu'il n'y a pas de protection, donc on peut y aller vraiment gros mode bourrin. Le truc c'est que Éternel il ramène l'Eniripsa et ça serait une bonne chose qu'il le ramène. Ah non, le Sacri joue juste après. Le truc tu pourras ramener un perso Éther. On va lui demander. Donc là voilà, il a invoqué aussi son Sacri. Est-ce qu'il a fait ses châtiments? Il a fait ses châtiments R. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait bout de légende là? Il s'est boosté, il a fait sa maîtrise d'armes, il a mis une kawotte. Et là, on a Hot Sacrivieur. Donc, je crois que ce Yop s'est pris pour un Sacrieur. Il va se faire une boost de puissance. Il va sûrement booster épée divine, puissance. Voilà, épée divine. Donc voilà, il s'est vraiment bien boosté là, le bougre. Et là ça dépend vraiment qu'est-ce que va faire Zoil. Elle va donner les PA là derrière la bombe, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Elle va invoquer son Lapino. Elle se met de l'érosion en même temps aussi, elle va soigner un peu Blue de Légende. Mot de Régène. Elle va encore soigner Blue de Légende. Parce que le Doppel l'avait un peu tapé. Voilà, elle est revenue full vitalité, presque full vitalité avec le Lapino. Et donc moi, eh bien tout simplement, je vais préparer mon coup de deux poux. Je vais me booster, je vais faire ceci, voilà, odorat magnifique. Je vais faire ça, je vais invoquer le chaton, je vais faire la maîtrise des armes. Non, j'ai plus de PA. Non, si, j'ai encore des PA. Voilà, et je vais booster encore le Yop avec des PM parce que moi j'ai plus besoin de ça là. Et là, le Doppel EK qui va pouvoir se faire plaisir, qui va pouvoir aller taper un peu dans le tas. Vas-y mon petit Doppel, t'as une roulette 400 chances. Là t'as une roulette 400 force, allez vas-y, montre-moi tes fesses. Ouh, moins 268, moins 145, moins 145 encore. Bon voilà, là il s'est fait un petit plaisir coquin. Il a tapé un tout petit peu. Et prochain tour, on va pouvoir faire du gros dopou. Et par contre, là, mon Doppel EK qui vient de mourir. Donc, Maoria qui a pas laissé le temps. Je vais lui dire, Maoria, ça serait cool. Je vais juste lui dire ça. Et comme ça, on pourra lui faire un gros dopou. Par contre, Éternel, si elle a la PO, en tout cas, pour ramener Maoria, ça serait cool. Oui, voilà. Bon, là, il n'y a pas trop de dopou possible. Le placement est plutôt mal fait vu que je suis dopou. Je vais lui dire placement bof, mais bon, c'est pas grave. Et là, voilà, elle se fait plaisir avec des gros assauts à moins 450. Et Hotseer qui demande dopou comment. Bah là, il a quand même max de PM, donc il peut aller se faire plaisir. Bon, je vais lui dire bon
plus un ti vers là. Voilà, on parle un peu stratégie là. Voilà. Donc là, oula, là, il y a Blood Legend qui est venu. Et en tout cas, là, pour les deux pouces, ça va être plus simple. Alors là, précipitation. Ça va être Dopou. Il va y avoir du Dopou sur Maoria. Maoria qui prend plutôt cher là avec le Dopou. Moi, je suis collé à Blood Legend malheureusement. Donc, je vais devoir lui faire une libé. C'est pas très très grave. Bah si, c'est grave en soi. Ça casse vraiment les couilles les Dopou. C'est en train de rager. Là, par contre, Maoria qui est en train de se faire soigner par Zhoil. Donc, ça serait bien qu'Eternel s'en occupe de Zhoil. Et là, bah, tout simplement, je vais partir roxer une petite roulette sans Dopou. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, voilà, je vais faire ça comme ça. Et puis, je vais aller faire du Dopou. J'ai envie d'appeler ça comme ça, du gros gros Dopou. Allez, c'est parti, gros Dopou à moins 771. Gros Dopou à moins 727. Ouh, j'aurais pas aimé, ça sent. Ça sent le manque de respect là. Pauvre Maoria. Oh, et le chaton comme un con qui va dans le mur de bombe. Ça sent le manque de respect. Maoria qui se retrouve à 2467 points de vie. Qui va pouvoir roxer quand même du pâté là. Parce qu'il a 13 PA, donc ça va sûrement être un coup d'épée grand-duc et ensuite se barrer un coup d'épée grand-duc sûrement sur moi, vu que je suis celui qui a le moins de résistance. Voilà, coup d'épée grand-duc à moins 824. Espingole, encore une grosse grosse espingole. Maoria là qui se fait quand même plaisir. Encore une espingole, là on avait une sacrée zone. Et du coup ça fait plutôt mal. Éternel qui va pouvoir aller s'occuper, sacrifier, ça c'est plutôt bien. Et qui va pouvoir aller sûrement taper un peu Zhoil. Bah, Éternel qui a plus trop de PM. Invoquer l'épée volante. Invocation de Schaffer Fou. Et là, ça va être le Dopou pour Haute Sacrivieur. Ça, c'est plutôt bien joué de la part de Eternel qui a vraiment du skill, j'ai envie de dire. Allez, vas-y, mon petit. Vas-y, mon petit Haute Sacrivieur. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Fais du Dopou. On veut du Dopou. Oui, yeah. Alors là, Blood Legend qui va se mettre à la place de Maoria, donc qui arrive à sauver Maoria. Haute Sacrivieur qui peut encore faire un bond, etc. pour aller faire du Dopou sur Maoria encore ici. Donc il va attirer Haute Sacrivieur. Un coup d'Otome que Éternel encaisse. Une Flamiche que Éternel encaisse. Et là, Blood Legend qui va essayer de se barrer. Donc là, Haute Sacrivieur, ça va être sûrement être bon plus Dopou. Par contre, sur qui, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2 PA, oui, ça va être sûrement être ça, voilà, bon. Et ensuite, ça va être double Dopou, 829, 645. Maoria qui se retrouve en 3 PM, 1058 points de vie. Donc là, par contre, pour Zhoil, ça va être plutôt être difficile d'aller soigner Maoria, honnêtement. Ça va même être très très compliqué pour lui. Et moi, je vais pouvoir encore aller faire du Dopou. Soit sur Zhoil, ça dépend ce que fait Zhoil en fait. Soit, eh bien, tout simplement sur Blood Legend. Et ça, c'est plutôt bien joué. Zhoil qui va essayer de d'aller pousser Éternel pour pouvoir aller soigner Maoria. Je crois, voilà, ça va être ça. Va pousser, va essayer de choper une ligne de vue de soins. Avec des gros mots sacrifices à 523. Mais là, par contre, ça va être Zhoil qui va prendre les Dopou. À moins que ça soit Maoria. Ça sera Zhoil, hein. Zhoil qui prend les Dopou là. Bon, en tout cas, je pense que c'est la meilleure des options. Voilà, en plus avec une roulette 50 dommages. C'est nickel. Encore des Dopou. Ah, 680. Des Dopou avec Fellation à 730.
Je suis taré, je suis timbré, je vous l'avoue. Allez, un petit bluff pour le fun qui va faire du 266. Et puis voilà, je peux passer mon tour. Le chaton qui va mourir dans le mur de bombe, la Maoria qui va pouvoir faire sûrement quelque chose avec son mur de bombe, qui va pousser haut de sa rivière. Il lui reste 11 PA. Il est con ce chat. Bon là, Éternel, on est encore sous le sacrifice d'Éternel. Heureusement pour nous. Alors là, encore un mur de bombe placé, ça va, il va sûrement pousser Éternel dedans et peut-être même tout faire péter. Voilà, roule la botte, non, il va juste pousser Éternel dans le mur de bombe. Ça va faire plutôt mal. Là, il y a du moins 800 qui va sortir sûrement avec le mur de bombe. Hein. On a plutôt intérêt de faire gaffe. Voilà, il va pousser Éternel dedans, du moins 1573. Ok, c'est pas du 800 là. Oh, c'est même carrément le double. Et ça fait tout péter sur Éternel. Et Éternel qui meurt, et bien tout simplement, là c'est juste incroyable, Rox. Ouh, 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 ouh. Là, Maoria qui a fait vraiment de gros, 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 gros dégâts, j'ai envie de dire. Et là, par contre, c'est sacrifice de zone. C'est plutôt bien joué. Les Dopu, de toute façon, passent sous sacrifice, je crois. Je ne suis pas sûr, c'est à nous de voir. Mais si c'est le cas, ça va être easy, easy, easy. Si ça passe sous sacrifice. Alors là, je me tape le chat fer lancier. C'est pas cool. Parce que là, malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Alors là, il a pas l'air de vouloir aller tuer Zoil. Non, bon. Bout de légende, en tout cas, ce Yob ne doit pas savoir que ça passe sous les Dopu. Il fallait lui dire. Dopu passe sous sacrifice. Hein. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Bon. On sera tapé un délire. Parce que là c'est recon, voilà, c'est gros soin de la part de Zoil, et malheureusement, eh bien, on va pas pouvoir gagner le combat sur cette erreur. C'est bidon, c'est bête, je sais, mais bon. Et en plus, il me bloque le passage. Pas grave, on va aller faire du dopu. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Vu qu'on peut pas en faire énormément. Hop là, voilà. On va faire du dopu comme ça. À moins 405. Et sûrement une petite chance des cas. Voilà, on va se mettre en position de gangbang. Pour essayer de se prendre la punie. Ah, ça me dégoûte ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. On s'en fout, le dopu, on ne sera pas jaloux. Oh là là, Maruya, il fait vraiment mal. Rien que le mur à moins 1500 x 3, ça dégoûte. Ça dégoûte carrément. Et là, le sacri qui va tout simplement aller finir le yop, s'il n'est pas bête, il va aller finir le yop avec la punie. Voilà, c'est ça qu'il va faire, il va aller finir avec la punie. Voire même avec l'Apso et me balancer la punie sur moi. Non, il aura pas les PA. L'Apso à moins 900. La Flamiche qui me tape encore. Le Chafer Lancy qui va aller plutôt taper ses coéquipiers, c'est une bonne nouvelle. Et je meurs sous une Flamiche. Bon, bah en tout cas, j'espère que ce Coliseum vous aura plu, même si on a perdu malheureusement. Il y avait du gros dopu et encore des gros dégâts. Donc voilà, en tout cas j'espère vous retrouver prochainement. Allez, tchuss tout le monde!